Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Je vais vous montrer un site qui va vous permettre d'envoyer des fichiers volumineux à des contacts par email jusqu'à 2 gigas. Alors pour ça, vous allez sur votre navigateur et vous tapez wet transfer, WETRANSFER. Voilà. Recherche, et c'est le premier lien, hein. Voilà, donc vous cliquez dessus, vous allez sur la page, vous allez voir, c'est simple. Voilà, bon, moi j'ai déjà une adresse ici parce que je l'ai déjà fait, hein. Donc la première case, vous cliquez sur le plus pour envoyer les fichiers. Moi je vais prendre, j'ai pris celui-là, je vais pas le faire, hein, parce que je l'ai déjà fait. Donc ok, image, voilà. Donc il me dit que j'envoie ça, qu'il me reste 2 gigas restants. Ici vous mettrez l'adresse de vos amis, hein. Vous pouvez mettre jusqu'à 20 adresses différentes en les séparant d'une barre d'espace. Voilà, par exemple je mets celle-là, moi, hein. Donc j'aurais voulu en mettre une autre, espace après le .com et autre adresse mail. Ici votre adresse mail à vous, et ici vous pouvez marquer ce que vous voulez, hein. Bonjour, voilà, tac tac tac, et là vous cliquez sur transférer. Bon, moi je vais pas le faire parce que je l'ai fait juste avant, mais la première fois que vous allez faire ça, vous allez devoir cocher une petite case pour les conditions d'utilisation, mais c'est pas méchant. Donc une fois ça fait, le transfert se fera, hein. Plus ou moins de temps, c'est selon le volume de votre fichier, hein, ça mettra plus ou moins de temps. Et une fois ça fait, vous allez voir, on va se revoir après. Je vais aller déjà sur mon adresse mail, sur celle-là par laquelle j'ai envoyé le fichier, et vous allez voir, on va se revoir. Donc me voilà sur le mail par laquelle j'ai envoyé le fichier, hein, le mail que j'ai indiqué sur le site. Donc je l'ouvre, merci de m'avoir choisi, blabla, voilà. Et là il dit que le téléchargement est réussi, l'envoi de vos fichiers via a été effectué. Donc voilà, il me dit le destinataire, moi j'en ai eu qu'un, le nom du fichier. Là si je veux le retransférer, je cliquerai par transférer pour d'autres personnes, et si je veux le télécharger, je cliquerai sur télécharger, hein, ou je me sers du lien en dessous. Voilà, maintenant on va voir l'email du destinataire. Alors voilà, vos destinataires recevront ce mail-là. Donc, ils cliqueront dessus, naturellement, pour l'ouvrir. Et là, ce sera indiqué déjà que bl.nicolas vous a envoyé un fichier. Voilà. Il y aura son poids, le nom. Et là, la personne cliquera sur télécharger, il sera redirigé vers le site, et là nous sommes prêts à télécharger. Cliquez sur télécharger, l'endroit où l'envoyer, enregistrer, téléchargement en cours. Bon, là c'est pareil, selon le poids du fichier c'est plus ou moins de temps. Terminé, ok, il peut fermer. Et vous allez voir que le fichier, il est ici. Bon, moi, c'est une petite photo de rien du tout, hein. C'est pas le problème. Et maintenant, en allant sur votre adresse mail, on va recommencer. Donc voilà, je suis reparti sur l'adresse mail par laquelle j'ai envoyé le fichier. Et à chaque fois qu'un contact
aura téléchargé le fichier, vous recevrez un mail comme quoi nous avons le plaisir de vous informer que a téléchargé le fichier. Et il y aura le mot, bien sûr, en dessous que vous avez marqué et tout ça. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt sur netprof.fr.